Retraité depuis plus d'un an maintenant, Roger Federer a toujours été réputé pour avoir le nez fin. Passionné de sport, il avait d'ailleurs immédiatement remarqué le talent d'un certain Kylian Mbappé en 2018 et ne s'était pas privé de livrer son avis sans détour à propos de la star du PSG. Depuis qu'il n'est plus là, quelque chose cloche dans le tennis mondial. La retraite de Roger Federer a fait l'effet d'un gros vide dans l'univers de la petite balle jaune et l'héritage qu'il a laissé s'est avéré énorme. Aujourd'hui, plusieurs sportifs le prennent comme un modèle et admirent sa classe ainsi que sa carrière pleine de succès. Toutefois, il est lui aussi fan de certaines pointures du monde du sport. Avec toute l'humilité qu'on lui connaît, Roger n'a jamais caché qu'il appréciait d'autres grands noms et ce même en dehors du tennis. Évidemment, il a été bercé par les exploits de ses prédécesseurs tels que Pete Sampras ou Boris Becker, mais il a toujours gardé un œil attentif au-delà de sa propre discipline. C'est ainsi dans le monde du football qu'il a souvent porté toute son attention. Depuis quelques années, la sphère du ballon rond est marquée par l'avènement d'un petit prodige originaire de Bondy. Kylian Mbappé a ainsi fait des débuts fracassants il y a de ça 6 ans et a littéralement rendu fous les observateurs. Son éclosion aux yeux du monde entier est arrivée en 2018 à la Coupe du Monde. Et Roger Federer n'avait pas caché son admiration en conférence de presse. J'aime bien sa vitesse et surtout son attitude, j'ai vraiment l'impression qu'il est sympa. Alors qu'il commençait tout juste à devenir l'un des tout meilleurs joueurs de la planète, le titre voyait une légende du tennis le couvrir de louanges. En plus de ça, le maestro semblait persuadé que le footeux était rempli de sympathie et a d'ailleurs pu le vérifier un an plus tard. Trop bien de te rencontrer. Le Suisse avait donc l'air complètement fan du prodige du Paris Saint-Germain et il faut dire que ce dernier lui a plutôt bien rendu. Quelques années plus tard, Roger a pris sa retraite et Mbappé lui a évidemment rendu un bel hommage. En relayant son message d'adieu, il y avait aussi ajouté un émoji chèvre fréquemment utilisé pour ériger quelqu'un en tant que goat. La bromance entre les deux est donc plutôt belle. Roger Federer, c'est cette légende qui allie élégance et domination. En plus de ça, le Suisse a toujours été un grand fan de notre Kylian Mbappé national et les deux hommes entretiennent une relation assez proche depuis des années. Difficile de ne pas aimer le maestro.